Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une présentation du taille-haie thermique de marque McAllister. C'est une machine qui a une cylindrée de 26 cm3. La taille de la lame est égale à 67,3 cm. Je trouve que c'est une taille raisonnable pour faire une grande surface. Pour la mettre en service, vous avez un réservoir qui est fourni avec la machine. Il va falloir faire un mélange essence-huile. Donc vous avez une graduation ici qui est égale à 10. Vous mettez du sans-plomb 98 et vous avez un deuxième réservoir ici. Vous allez mettre de l'huile de temps. C'est un produit que vous trouvez facilement dans les magasins de bricolage. Vous mettez jusqu'ici votre graduation jusqu'à 10 et vous faites votre mélange, comme ceci. Une fois que vous avez fait votre mélange, vous allez pouvoir le mettre dans le réservoir. Alors pour moi, l'essai est validé. Je trouve que c'est une machine qui fait le travail. Comme je vous l'ai dit, la lame fait presque 70 cm. On est à 67,3 exactement. C'est une ce qui peut vous faire couper une surface raisonnable sans trop d'effort. Elle est un peu lourde, c'est vrai, parce que c'est une machine thermique, vous avez le moteur. Elle est facile à démarrer, vous avez un starter ici. Comme vous pouvez le voir ici, elle a une poignée amovible. Vous voyez, vous pouvez tourner dans 90 degrés, 180 degrés. Cette poignée amovible va vous permettre de travailler donc sous différents angles. Donc voilà, pour moi, l'essai est validé. Je trouve que c'est une machine qui fait le travail.